Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartements. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans ce nouvel appartement qui, vous voyez, fait l'objet de travaux. Cet appartement a été acheté par Pauline. Bonjour à toi Pauline, qui était en Allemagne en fait lorsqu'elle a acheté ce bien qui est en région lyonnaise. Et donc la question est de savoir comment faire pour acheter un appartement décoté dans un marché tendu, ce qui a été le cas ici. Et en fait, puisque cet appartement, il a une caractéristique alors qui ne se voit pas. Qui ne se voit plus en fait, mais en fait il a le jour où il a été acheté par Pauline, donc l'appartement était habité, il était occupé par une famille qui donc était locataire de l'appartement. Et donc ça, c'est une catégorie de biens, donc ça s'appelle les ventes occupées dans le jargon immobilier, et qui alors sont soit malheureusement délaissées, pas regardées, ou alors quand elles sont regardées, elles sont, voilà, les investisseurs font l'erreur majeure de ne pas s'y intéresser et surtout de ne pas les acheter. Alors pourquoi c'est intéressant? Et bien justement, ces ventes occupées, elles ont une contrainte finalement. Donc beaucoup de personnes ne passent leur chemin, que ce soit les personnes qui veulent y vivre, puisqu'il y a déjà quelqu'un dedans qu'il faut attendre, donc ça n'a pas les faveurs des familles par exemple. Et les investisseurs comme vous qui me regardez, puisque cette chaîne est dédiée à l'investissement locatif, et les investisseurs ne peuvent pas non plus à court terme faire le mode d'exploitation qu'ils souhaitent, que vous souhaitez, notamment en meublant, en rénovant et en faisant une colocation comme ça va être le cas ici. Avec 4 chambres, je précise. Donc les gens passent leur chemin. Or, c'est une erreur majeure puisque ce genre d'appartement, sur un marché tendu encore une fois, les biens sont rares à vendre et en plus, quand vous avez une décote, il faut sauter dessus absolument. Je vous parle de cela. Moi-même, j'ai pu investir dans des ventes occupées par le passé et j'invite souvent, en fait, je ne sais pas si je m'exprime assez clairement parce que peu d'investisseurs finalement acceptent de prendre ce risque qui est plus que mesuré, refusent presque de saisir ces opportunités, j'ai envie de dire, mais voilà, j'invite mes investisseurs à acheter des ventes occupées et ça a été le cas aussi d'autres investisseurs. Je pense à Léo aussi également qui est à Barcelone et puis d'autres encore. Pourquoi c'est intéressant? Ces contraintes, finalement, elles sont temporaires. Les personnes, les familles ont un bail de location. On a aussi peur au niveau des loyers puisqu'on n'a pas choisi les locataires. Donc, on se demande toujours si les personnes vont payer. Bien, on peut avoir tout l'historique des loyers. Et souvent, c'est géré par une agence en plus. Donc, c'est tout à fait identifiable. Et puis, ces locataires, on peut les rencontrer lors de la visite. Donc, on sait aussi à qui on a affaire. Et la majorité du temps, ce sont des gens tout à fait sérieux, des gens qui vivent normalement. Alors que c'est jugé par un frein par les investisseurs. Donc c'est un faux problème, encore une fois, une fausse croyance. Et le fait de ne pas vous intéresser à ce genre de bien est une erreur majeure, je le répète. Voilà. Donc, et ces contraintes, elles sont temporaires, alors que vous, vous allez bénéficier en contrepartie d'une décote. C'est pour ça que les prix affichés des ventes occupées sont souvent en dessous du prix du marché. Il faut connaître un petit peu le marché où vous allez pour vous en rendre compte. Et le problème est temporaire, il n'est finalement pas très important. Et surtout, vous allez bénéficier, vous, d'une décote et vous allez surtout avoir l'appartement. C'est ça la gageure aujourd'hui sur un marché tendu. Vous avez peut-être déjà essayé de chercher par vous-même. Et c'est ça la difficulté, c'est d'avoir l'appartement. Donc, si je prends l'exemple du désert. Si quelqu'un vous offre une bouteille d'eau pétillante, vous n'avez pas à la refuser sous prétexte que vous n'avez que l'eau plate. Vous allez sauter dessus. Eh bien, les ventes occupées sur un marché tendu, c'est aussi ça l'opportunité, si ça peut vous donner une image. Il y a même des agences immobilières, sachez-le, qui se sont spécialisées dans les ventes occupées. C'est véritablement une niche réservée aux investisseurs, en tout cas les plus aguerris. Voilà. Donc si vous aussi, vous avez envie d'obtenir un appartement avec une décote et de pouvoir surtout optimiser le rendement, puisque le loyer qui est pratiqué à l'instant T quand vous achetez une vente occupée, ce loyer il est souvent faible, parfois pas réévalué annuellement, en tout cas en dessous du prix du marché. Vous allez bien sûr pouvoir vous en affranchir et parfois faire plus 40%, 50%, voire doubler le loyer quand c'est une famille qui habite en location classique non meublée. Et que vous allez basculer en colocation avec plusieurs chambres, vous voyez. Donc ça, c'est une façon de doubler un loyer après un an, deux ans, trois ans, X années où les personnes restent. Mais c'est ça que vous allez pouvoir obtenir comme bénéfice. Donc si ça vous intéresse et si vous êtes... si vous avez des questions sur ce que je vous explique, vous pouvez les poser dans les commentaires ci-dessous. Je vais tâcher d'y répondre rapidement. Voilà, si je suis en retard dans les commentaires. Et si vous êtes convaincu, eh bien écoutez, je vous donne deux possibilités pour investir dans ce genre de biens. Tout d'abord, je mettrai dans les commentaires également ci-dessous, dans la description de la vidéo, un lien pour me solliciter avec un formulaire et des questions, avec vos critères notamment en termes de budget, etc. Si vous souhaitez vous porter sur une vente occupée à Lyon ou sa région, comme c'est le cas ici, ou alors si vous ne souhaitez pas investir sur Lyon, mais là où vous habitez, si vous souhaitez également profiter de ces opportunités, eh bien il y a un deuxième lien vidéo, et là c'est une formation en 3 modules vidéo, où je vous explique justement, premier module,
En quoi consiste, je vais plus dans le détail, en quoi consiste ces ventes occupées et ces biens qui sont vendus avec des locataires à l'intérieur. Deuxième module vidéo, j'explique comment les repérer, comment faire pour les trouver sur Internet, quels mots-clés taper, quelles formules consacrées sont à mettre dans les moteurs de recherche type Le Bon Coin ou Se Loger pour les faire ressortir. Et troisième module, le plus important, c'est comment faire justement pour optimiser, pour basculer, pour démultiplier le rendement locatif, que ce soit en termes de formalité, du bail, des travaux d'amélioration, de basculer du non meublé en meublé. Voilà un peu les choses pour justement faire cette bascule de passer d'une vente occupée au fait de libérer les lieux et de transformer l'appartement ainsi libéré. Voilà pour cette formation vidéo dont je suis l'auteur, qui dure 1h30 en gros, composée de 3 modules plus un module bonus, et dont vous avez le lien également dans la description. Donc de manière, soit clé en main avec un appartement par mes soins en termes de chasseur d'appartement, et vous avez tout, je me mets à votre service pour vous apporter la solution clé en main sur une vente occupée. Soit vous voulez tout faire par vous-même et vous passer des services des chasseurs d'appartement et investir proche de chez vous, et auquel cas la formation vidéo peut vous être tout à fait pertinente, et son prix est totalement ridicule par rapport au fait de passer à l'action et d'investir, encore une fois, comme toutes les formations en immobilier d'ailleurs. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires et j'y répondrai. Si vous souhaitez investir, je vous invite à cliquer sur l'un de ces deux liens, voir les deux, vous avez les deux formules que vous verrez. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour voir les prochaines vidéos et de ce bien et des autres qui arrivent sur le terrain à Lyon pour mes clients investisseurs. Et puis, vous abonner à la chaîne et à l'aimer cette vidéo si c'est le cas. À très bientôt pour les prochaines vidéos, à très bientôt dans la formation si c'est le cas, et à très bientôt peut-être pour une recherche d'appartement clé en main sur une vente occupée, qui est une excellente opportunité, je le répète. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt pour les prochaines vidéos.